This is a final boarding call for the Aer Lingus. C'est la famille à qui, Mamadou? C'est ma famille. C'est ta famille? Ouais. C'est ta belle famille. Voilà. Ouais. Voilà. Faut que t'acceptes. T'as pas le choix. J'accepte. Voilà. Abdou, t'es la famille à qui? À vous deux. Ah. À midi, on va manger du poisson mafé. Et tout ça dans un cadre. Incroyable. Les gars, si vous venez pas au Sénégal, c'est... Ouais. Vous êtes des fous. Vous avez lancé un défi, on va essayer de le relever, c'est de faire le tiboudienne, c'est le plat national au Sénégal. On va faire les courses, on va être avec une vraie locale. Ouais. Et après on va cuisiner avec elle, elle va nous apprendre, elle va nous montrer comment on fait le tiboudienne. Surtout après je vais le manger. Et puis surtout après Salim il va le manger. C'est et ça. On a trop hâte de vous montrer tout ça, la recette, bon. Tout ça. C'est un truc de fou, on est en immersion totale, ouais. Et ça on est trop content. Ce sont les ingrédients qu'il nous faut. D'accord. Pour préparer des œufs au poisson, du tiboudienne. Tiboudienne, donc. Manioc, chou, carottes, navets, aubergines. Oui. Aubergines amères, ouais. Patates douces, tomates, persil, oignons, poivrons, tamarin, ail, poivre, piment, huile. 3 kilos de riz, parce que Salim mange beaucoup, bissap et gombo. Le thé sénégalais. Le meilleur beurre de cacahuète que j'ai goûté de ma vie. Oh les gars. Oh, faut que tu goûtes ça, café. Ouais, c'est du café tout bas. Ouais. C'est une belle couleur rouge. Franchement, on n'a pas encore mangé le plat, mais déjà c'est un moment incroyable. C'est ouais, la préparation, l'avant-préparation. C'est un peuple incroyable. Hein? C'est des gens incroyables. On a compris que tu étais amoureux des Sénégalais. Ah, je suis amoureux total. Je pense que je suis Sénégalais. D'accord. Ils ont un comportement. Enfin, mais quel exemple, franchement. De gentillesse et tout. Ouais. Ça, je suis là, je me promène avec caméra. Tout le monde est souriant, personne me prend la tête. Et piquant. Ouais. Piment. Piment. Har. Non, c'est oui. C'est du poivron, goûte. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça pique? Oui, ça pique. Non, non, ça pique. Ça va? Non, je sens. Hein? Fais comme ça. Nouvelle caméra. Mais touche la langue. Vas-y, touche. Et attention, les Sénégalais, c'est des gros taquineurs. Hein. Oh, c'est des taquineurs. Si je croque, tu croques? Non. C'est vraiment des escrocs. C'est des taquineurs. J'essaye. T'as dit, c'est bon. Non. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Sûr? C'est bon. Non. Non. Elle m'a dit non, c'est pas ça. Même la maman, elle est passée, elle a dit non. Non, c'est pas ça. Toi, t'es un taquin, hein. Hey, je le fais, hein. Oui, non. C'est du piment, là. Ça craint? Ouais, c'est du piment. C'est gentil. Est-ce que vous voyez la gentillesse? Le sourire. Il y a au moins 10 personnes, lui, il a taquiné, il a dit vas-y, croque. Il y a 10 personnes qui sont passées qui ont dit non, 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 c'est du piment, croque pas. La teranga. C'est la teranga. Voilà. Ouais. Ils sont extraordinaires. Vive le Sénégal. Le couple chercher ce qui est bon et enlever ce qui n'est pas mauvais. Pourquoi? Quand le couple là, elle te voit là-dedans, s'il y a quelque chose qui n'est pas, pas bon, elle te le vend pas. D'accord. Tu vois, c'est elle vérifie l'intérieur en fait. Ouais. C'est pas comme nous quand tu vas acheter des poires au marché, t'arrives chez toi comme le sketch de... Delicacou. Le Delicacou, la Sarfati. Là, j'ouvre la première, elle était pourrie. Bah là, c'est pareil, sauf que là, elle te l'ouvre avant. Si elle est pourrie, bah, elle te la vend pas. Exactement. Ils sont vraiment honnêtes. L'honnêteté en plus. En plus l'honnêteté, mais franchement, mais moi je suis sénégalais. Regarde le manioc. Ça va faire saliver tous les candidats Koh Lanta. Quand ils trouvent ça, ils deviennent fous. Voilà. On est venu pour faire les courses pour la recette et t'arrives quand même à te retrouver chez le tissu. Bah oui, regarde, elle est trop belle, je veux la même.
je suis au bout de ma vie. Le problème, c'est que en fait, c'est que du sur mesure. Et nous, on va bientôt partir et il faut que j'achète. Non, non, si tu veux là, tu peux en acheter. Ouais. Tu peux là, demain matin. C'est vrai? Demain matin même, tu peux l'avoir. Si je la mets chez le tailleur. On est chez le tailleur. Oh, le meilleur tailleur de la ville de Sokon. Faut pas se louper parce que ma femme, c'est la plus belle. Attention. Parce que là, parce que belle, oui. Merci, machallah. Parce que là, je suis gentil, gentil. Si ça passe pas, je viens, je suis méchant. Bon, on peut négocier ou pas, Souleymane? 12 500 pour les gens. Mais pour nous, on est des Sénégalais, nous. Oui, oui, à cause de vous. À cause de moi? Sénégalais, oui. Ouais, mais Linda. Vous êtes Sénégalais, non? Ouais, mais tu as dit que Linda, elle était très belle. Normalement, ouais, tu baisses un peu le prix. À cause de ça. C'est plus cher parce qu'elle est belle? Non, non, non. À cause de ça, j'ai 2 000 le prix, quoi. 12 500? Oui. Non, mais nous, c'est 10 000. Non, 12 500. Ferme. Pour l'autre, c'est 15 000. Ah, pour les autres, c'est 15 000? Oui. C'est vrai? On a payé 12 500 francs. Donc, quand vous venez voir Souleymane, vous demandez 12 500. Et Souleymane, s'il te plaît, ne loupe pas la robe à ma femme. Je suis très dangereux, Souleymane. T'as dit que c'était le meilleur couturier. Bon, là, on est arrivé à la maison. On est avec Panda, c'est la spécialiste. Et on va cuisiner, je suis trop contente. Panda, c'est le meilleur, le plus beau sourire du village. Merci beaucoup. Est-ce que c'est difficile comme recette? Non, c'est pas du tout difficile. Ça prend pas du temps aussi. Ça prend du temps? Non, ça prend. Ah, ça prend pas du temps? Donc c'est une recette facile et rapide. À peu près 2 heures de temps, 3 heures. Même pas 3 heures. D'accord. Ah, mais 3 heures, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non. Ah, je suis nous, 3 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, okay. Okay. Piment séché, poivre. Ça me fait penser quand j'étais petite en Algérie. Après. On met du poivre, on met des ails. De l'ail, ouais. On met du persil. Ouais. Ouais. Après, on met du piment vert. Ouais. Piment doux. Après. On met un peu de bouillon après. D'accord, le bouillon. Et tout ça, on le fait avec eux? Oui, après on fait ça avec eux. Ah, oh. Après, si tu prépares les poissons, tu les mets dedans. Dedans. Ah, c'est la farce. D'accord. Le raf. D'accord. Là, si tu mets dans un bocal et que tu fais comme ça, ça s'épluche tout seul. Je te jure. Tu mets essaye. L'ail dans un bocal. Essaye. Tu remues. Vas-y, essaye. C'est une bonne idée. Ça l'épluche. Mais ça ne va pas se nettoyer. Non. Si, tu vas voir. Ça va se nettoyer. Bien sûr. Non, je vais essayer. Essaye. Ouais. J'espère que ça va marcher. Je serais trop fière. Allez. Tu fais comme ça. Ouais. Ça nous fait jamais se séparer. Attends. Ah. Il faut pas le mettre entier. Attends. Ah, Linda, t'as dit un mensonge. Hein. Non. Ça marche, c'est pour l'honneur. Tu le fais à la maison, ça? Ouais, j'ai déjà fait. J'ai montré à ma mère que ça marchait. Linda, juste le minage. Attends. Ça marche pas, ou? Attends. Regarde, 2 minutes. Faut chanter et tout, faut penser à autre chose. Mais c'est plus rapide comme elle faisait, elle? Ben non, parce que ça fait tout d'un coup. Attends, tu vas voir. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Le système, le lighting, j'ai le défaut du pot. Les bons connaissent les YouTube, mais les relèves, carrément. Non, c'est bon. Regarde. Pourtant, c'est vrai. Il est intelligent. Ah ouais. C'est vrai. Yeah. Alors, tu vois, j'ai appris quelque chose. Une bonne leçon. Voilà. C'est partage. Moi, la prochaine fois, je vais essayer. Je vais le montrer à une autre. Voilà. Montre à une autre. Oh là, la technique de Linda. Vous avez une fois mangé du couscous? Non, on a mangé couscous, c'est pas sénégalais, un peu comme... Parce que tout le monde pense en France que le couscous, c'est les maghrébins, mais c'est pas vrai? Non, il y a du couscous sénégalais avec le mil. Bien sûr. Ah, avec le mil. Mm-hmm. Ah. On n'a pas ici le couscous avec le mil. D'accord. C'est en rythme, c'est grand rythme. Je l'ai dans la boue, le rythme, si t'arrives. Donc Panda, il y a quoi dedans alors là? Quoi? Il y a quoi dedans? Il y a le piment ouais. Chiché, ouais. Il y a du poivre, il y a du piment doux, il y a des ails d'abord. Après tu mets du poivron, du persil. Oh là là.
Ouais, mais ma mère, elle fait comme ça. Ouais, exact. Ta mère aussi, dessus la marmite. Clac, exact. Clac, clac, clac. Exact. Ah, fallu, laisse-moi avec ta planche. Ouais. C'est du boulot, hein. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot. En fait, chaque étape nécessite un vrai travail manuel. Hein. Ouais. Il y a vraiment un pour... Déjà, il faut nettoyer le poisson, il faut lui enlever les écailles, il faut le couper. Ensuite, il faut le farcir, mais la farce, c'est pas un truc que tu ouvres un bocal que t'as de la farce. Il faut la piler, même acheter les ingrédients, il faut aller au marché. C'est pas genre tu viens, t'achètes les ingrédients, tu les as pendant longtemps, il faut à chaque fois racheter les ingrédients. Donc c'est vraiment le plat, c'est la vraie culture en fait dans l'assiette. Ouais. Quand tu manges sénégalais, tu sais que t'as vraiment faim. Ouais. La farce, elle sent trop bon. Ouais, ça sent bien. Regardez la farce. Ça, c'est pour combien de personnes? Tu sais, au Sénégal, ici, on ne peut pas limiter. Parce que, comme on vit en famille, on ne peut pas limiter. Si tu prépares, si tu fais la limite, après, si tu prépares, si tu poses le plat, ouais, d'autres peuvent venir. Nous, chaque jour, on réserve. Donc en fait, y a pas, tu peux pas faire un plat pour deux personnes ou quatre personnes. Tu fais un gros plat et celui qui veut venir manger qui n'était pas prévu, bah, il est le bienvenu. Et ça, c'est vraiment la teranga depuis. C'est, je crois que ouais, c'est comme quoi on dit la teranga sénégalaise. C'est l'hospitalité sénégalaise. Et bah, qui est sans limite. C'est sans limite. Ils calculent pas, ils sont là, ils t'ouvrent la porte. Tu veux venir manger, tu viens manger. Y a pas, ouais, j'ai pas fait ou j'ai pas fait assez. Ici, exact. C'est vraiment le peuple du cœur. Ouais. Voilà, de la générosité. Les gars, vous achetez des trucs à 200 euros. Regardez. Sur le dos, un bout de tissu. Hop. Et c'est sa maman qui le fait. Hein. C'est fait maison. Maman. Hop. Voilà. Et hop. C'est tout. Oui. Ah non, il reste le grain. Les gars, un bout de tissu, les gars. Et les enfants sont adorables. Ouais. Et regardez comme elle est bien. Regardez comme elle est bien. Regardez. Elle est à l'aise, elle est heureuse. Voilà. Même tu peux danser, tu peux faire tout. Hop là! Tu peux marcher, tu peux faire tout. Allez, salam alaikum. Allez, vas-y. Salam alaikum, salam. Et voilà, c'est parti. À la petite apprentissage de la bombe. Regarde ça comme elle est bien. Nagore, gin, gin. Nagore, gin, gin. Je vous l'année, je vous l'année, je vous l'année. Je vous l'année. Penda, fais-moi un vrai chip. Oula! Vas-y Rose, viens Rose! Il faut qu'il y ait un peu de la salive. D'accord. Vas-y. Il faut serrer les dents ici. Donc. Il faut serrer les dents et laisser un peu de la salive. Vas-y. Non, non. Vas-y, Julie. Non, mais avec le regard et tout. Attends, il y a des chips qui veulent dire ça va, il y a des chips ça veut dire que je suis pas content, il y a des chips, il y a plusieurs. Ouais, il y a des chips. Attends. J'adore. Il faut que j'apprenne à chips. Attends. Si tu n'es pas content, tu fais comment? Oh, magnifique. Et après, il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Si tu es content, tu fais. C'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. Même si quelque chose te gêne, tu peux le faire. Comment? Si que... Quelque chose te gêne. Abdou, il m'énerve. Attends. Abdou. J'arrive pas. Ça m'énerve. Salim, tu m'énerves. Oh, le magnifique. Attends. Ouais. Yaï, je t'aime. Vas-y, maman. Si elle est fâchée, elle va faire un bon chip. Ouais. Mais elle est toujours souriante. Ouais, tout le temps gentil. Même son chip, il est gentil. Même son chip, il est gentil.
Elle fait pas des chips, elle fait des bisous. Gis, gis. Nagore, gis, gis. Giz. Penda, si tu fais pas, je vais te chipper, hein. Je vais faire ça si tu viens pas. Dépêche-toi de venir. Penda, 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 Penda. Giz, giz. D'être en immersion totale comme ça, et en plus on va le manger ensemble, en famille. Final boarding call for the Aer Lingus.